Je suis en colère parce que, comme par hasard, cette information sort un jour après notre pétition pour faire un appel à l'État qui nous aide à récupérer le corps de nos familles. C'est extrêmement agaçant, en fait, d'avoir ce genre d'informations qui refuite 2 mois après, alors que les experts français ont dit qu'ils refusaient ces conclusions-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un contre-feu. Là, on est en train de parler des responsabilités du crash. C'est un sujet, mais pour moi, c'est un deuxième sujet. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas récupéré les corps de nos familles qui sont à la morgue en Égypte depuis le mois de juillet. Donc nous sommes à la veille de Noël. Ça fait plus de 5 mois qu'on attend. Et ça, c'est une première dans l'histoire des crashs aériens. Jamais aucune compagnie, aucun État n'a pris en otage comme ça des corps de familles de victimes. Mathieu Éloin, au micro Europe 1, d'Aude Leroy.